L'appareil de Golgi. La chose fascinante dans tout ceci, c'est qu'Alex Trulov va faire l'amour la semaine prochaine. Hein? Chaleur, sueur, telle est la vraie recette d'un rapport sexuel réussi. Oh. Je m'appelle Alex Trulov. Et oui, c'est mon vrai nom. J'ai une très bonne moyenne générale, on m'a élu président du lycée, et j'ai une super copine. Tu viens avec nous à la fête. Alors maintenant, tu te sors les doigts du cul et tu viens avec nous. Assieds-toi avec les seuls gens cool ici. Je crois qu'on va te débaucher, Alex. Te voilà, toi. Sinon, j'ai une copine. Oui. Et elle est super mignonne. C'est vrai. J'ai rencontré un mec, j'ai l'impression que je lui plais, et disons que je suis pas complètement contre l'idée. Écoute, je sais pas ce qu'ils ont les gens en ce moment. Oh. Si tu regardes, ils sont tous omnisexuels ou en transition. Comment t'as su que t'étais gay? Comment tu sais que t'es hétéro? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 8 mois que je fais tout pour te dépuceler et visiblement je m'y prends mal. C'est devenu Mad Max là-dedans. Des mecs qui se tapent des mecs, des meufs avec des meufs, des filles qui deviennent des mecs, qui niquent des filles, qui couchent avec des filles et des mecs, hein. J'en ai ras le cul de tout ça. Le sexe, l'amour, ça me saoule. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionnent les garçons terminales? Quoi, t'as peur? L'amour, c'est étrange.